Mets-toi ici. Rapproche-toi de la caméra. Voilà. Rapproche-toi de la caméra si tu veux et fais une pensée. Dis-moi. Vas-y. Vas-y. Salut à tous, c'est Jojo. Aujourd'hui, vidéo extrêmement originale. Regarde-les là. Juste, tu vois ça là. Ouais, tu regardes ça. Aujourd'hui, vidéo extrêmement originale. Voilà. Joke de papa. Version blanc manger coco, qu'on appelle ça. Jokes de blanc manger coco, tout simplement. Tout ça parce qu'Alpha a la flemme de faire le montage du reste. Et j'ai envie de faire des putains de Black Solas. Attention, ceux qui sont... enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont être touchés par rapport à mes blagues. C'est de l'humour noir à prendre au second degré, bien évidemment. Hein. Oui, clairement, c'est le truc qu'on a cherché 2 secondes sur Internet. On s'est pas fait chier, hein, les gars. Bon, toi, t'as cherché 2 secondes sur Internet. Moi, j'ai innové. Même, je me suis inspiré de quelques petites jokes. Enfin, bref, vidéo pas du tout originale. Parce qu'on avait pas dit des points. Vidéo pas originale avec pas beaucoup de montage parce que j'ai la flemme. Bah c'est parti. On va dire que c'est en attendant un prochain court-métrage. Pas ouais. Un court-métrage. Prochain épisode d'une série. Ta gueule. Allez, c'est parti. Il va arriver d'ici un mois. On a déjà pas compris le concept. Hein. Vas-y. C'est un fils et son père. Papa, c'est vrai que tu ne m'aimes pas. Le père répond. Mais non, au lieu de dire des bêtises, prends ton ballon et va jouer sur la route. Il va jouer sur la route. Ah le bâtard, tu vas me faire envoyer. À mon tour. Vas-y. Que dit un Mexicain lorsque Trump a été élu? Je sais pas. Born in USA. Ouais. Ah merde, j'ai... Là c'est ce qu'on appelle un bide. Ouais. Parce que je t'ai rigolé, hein. Non, pas ta blague. Si, si, t'as rigolé. Non, j'ai pas rigolé à ta blague. Je suis désolé, quand il y a un rire pendant qu'on raconte les blagues, mais j'ai après... Poussé. Je toussais en fait. Là c'est ce qu'on appelle un bide. Ouais. Parce que je t'ai rigolé, hein. Non, pas ta blague. C'est un point pour moi. On est d'accord. Ouais, vas-y. À toi. Un gars est devant un musée et passe devant un tableau. Putain, qu'il est moche ce tableau. Le guide répond. C'est un Picasso, monsieur. Il passe devant un autre tableau. C'est vraiment moche, nom de Dieu. Monsieur, ça, c'est un miroir. Je pense qu'il s'appelait Joaquim Arnaud, celui qui le faisait. Ouais. À moi. Rapproche-toi. Voilà. Bon. C'est un trisomique. Espèce maltraitance. Ta gueule. C'est un trisomique qui est bien habillé dans un bal. Les gens ils disent, waouh, tu t'es mis sur ton water. Un point pour moi. Ouais, j'avoue, elle était bonne. À toi. À toi. Une petite annonce dans le journal. Vend 2 demi-cordes d'alpinisme pour cause d'essai. Ah. Un point pour moi. Oui. Moi j'ai pensé vraiment au gars qui s'est dit. Non. Il s'est votre aïeul. À moi. Tu sais, genre en mode bibi, t'es vilain coyote. Les vieilles rêves. Qu'est-ce qui est rose et qui fond dans la bouche? Une bite de lépreux. Oh, elle est connue. Ça va vous Simon? Moi ça va. Je m'appelle Jean-Michel et puis j'adore le pins. J'ai acheté des... À moi! Tu te tais. J'adore la vie, putain. J'adore la vie, ok? À moi! Qu'y a-t-il de plus terrible que 3 bébés dans une poubelle? Un bébé dans 3 poubelles. D'accord. Attends. Attends, j'essaie de m'y remettre. Bah quoi, t'imagines le bébé dans les 3 poubelles? Non, j'imagine les gars qui ont décidé de... Au début, ils voulaient manger le bébé, tu vois. Il a découpé et tout, mais après, il a eu la flemme de le cuire et de la jeter dans 3 poubelles. C'est con parce qu'une petite sauce, ça doit pas être dégueulasse. Avec une petite sauce cuillée. Pourquoi tu fais une voyou? Je sais pas, pour déstabiliser, pour faire chier. D'accord. Il y a un gage à la fin. Ah, attention, on l'a pas dit. Il y a un gage à la fin. Ah oui, en fait, tu me l'as même pas dit, c'était quoi? Attends, je le déciderai à la fin. Oh putain, j'ai peur. Sais-tu pourquoi les nains courent dans l'herbe? Non. Bah pour se torcher le cul, fils de pute. Pas pour moi. Oui, mais je rigole trop facilement, les gars. Ah, je suis heureux. Toi. Mon psy m'a conseillé d'écrire des lettres aux personnes que je déteste, puis de les brûler. Le problème, c'est qu'il m'a pas dit de quoi faire les lettres. Firefly. Hop. J'aime bien. N'est-ce pas? Non. Je vais terminer sur une belle philosophie. Manger une banane, c'est comme un bon porno au réveil. Ça donne de l'énergie. Non mais cherche pas, c'était juste que je voulais la caler comme ça.
C'était dans le terme du porno, la télé. Donner de l'énergie. Ouais. Comme avec ta daronne. Avec un peu de lait. Ouais, avec ta daronne. À toi. Bah, il y en avait 5 en fait. Ah, mais t'as peut-être déjà terminé. Bon, mais voilà. Je pense que j'ai gagné. Ouais, sûrement. Moi, je crois qu'il y a le plus. Bon, tous les tutos Jojo, j'ai droit de me foutre de ta gueule. Bon, bah, tu fais ta plaisir. Yes. De toute façon, comme il y en a pas si longtemps. Vous savez quoi, je vais faire un photo montage de Joachim en tutu. Vas-y, fais ta plaisir. Ah, non, je vais te pioncer. C'est la... Ta gueule. Oh, viole. Ah, tiens. Bouge pas. Bouge pas. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le concept, nique ta mère, n'hésitez pas à engager un abonnement juste ici. N'hésitez pas à... Sinon on est amis hein, ou quoi. Non, on est collègues, ok. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si ça vous a fait plaisir. Et si vous voulez d'autres épisodes, par exemple avec Houston 2. Ouais. 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 Sur ce les potos, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que... Hi. Non. Que je m'appelle Alpha, salut. Et moi Jojo. Oui mais toi on s'en fout. Mais je suis récurrent sur ta chaîne, un peu comme la brossage. T'es récurrent comme les merdes qu'on récure dans mes chiottes mon pote. Genre t'es une merde comme ça qu'on récure avec le doigt. On se dit putain qu'est-ce que ça fait chier. Ok. Ouais. Va chier dans ta caisse. Putain je te dis.